Denny, congrats on the win and the goal. 10 goals, 5 assists. The goal contributions keep on coming. I know winning is the most important thing to you and the team, but I got to imagine with the number of goals that you score, you have to put some kind of emphasis on individual accolades, right? Félicitations. Tu continues de marquer, même si on sait que c'est très important pour l'équipe, tu mets l'emphase là-dessus, mais il doit y avoir quelque chose de personnel là-dedans. Qu'est-ce que c'est? Bonne question. Good question. J'essaye d'être décisif, comme je l'ai dit, à chaque match, voilà, d'être positif, d'amener l'équipe vers le haut. Et je réussis grâce tout simplement au management et au staff et puis à mes amis sur le terrain. Donc je suis très content de ce soir, voilà, d'avoir marqué ce seul but qui nous fait empocher 3 points. Et avec un match de retard, voilà, on colle en haut du tableau, donc c'est parfait. I try to stay decisive at every game. I try to stay positive but decisive. It's thanks to the management and all my teammates that I'm able to do that. And tonight, I'm particularly happy to have scored the only goal and to have got the 3 points with one game less. So this is what I'm trying to do. Hey, Denny, can you talk about the ball you got from Matty? As perfect as can be. Cette passe de Andy? Elle était parfaite, dans le bon timing. Voilà, on en a parlé à la mi-temps, qu'il y avait des espaces entre les deux défenseurs. J'avais juste à courir dans l'espace. Après, voilà, avec le pied de Matty, je savais très bien que ça allait arriver là où je le voulais. Et puis après, voilà, à moi de faire la bonne décision, et j'ai réussi à marquer. It was a perfect pass. We had seen that there was space in between the two defenders, and we actually talked about it at halftime. So I know that he would try and get that pass, and that I just had to go fast in the middle, and it worked out. Denny, 7 straight wins for the team, outscoring opposition 15-1. What have you guys proven to yourselves over this good run? 7 victoires consécutives, 15 buts contre 1. Qu'est-ce qui explique ça et cette aussi bonne run, cette série? On est très bien en ce moment. Voilà, peut-être qu'on était un petit peu fatigué ce match-là, mais on avait les ingrédients pour et on avait notre public aussi qui poussait. Donc pour moi, d'avoir un 12e homme, c'est parfait. Voilà, ça nous fait sortir des tripes, ce qu'on a. Et comme je l'ai dit, voilà, on avait ce seul match-là après 5 jours off. Donc on a tout donné et on a réussi à avoir cette 7e victoire. We just feel really good right now, even though tonight maybe we were a little bit tired. But we knew that we had to push and that we had 5-day rest later. But it's also thanks to the public, really like a 12-man, like a 12-person, that pushed us all the way. Denny, you mentioned scoring the only goal, winning 1-0 tonight. We did it in Atlanta, too. What's it like to know that with the defense that you've had behind you for these last 6-7 matches, that one goal will be enough to be able to play in front of that kind of a defensive stand that you've had? Donc 1-0, pareil à Atlanta, un seul but, but décisif. Qu'est-ce que ça fait pour toi de sentir que tu as une défense derrière toi aussi solide et que un but peut suffire? Ça fait toujours du bien aux attaquants de savoir qu'on sait bien défendre et qu'on a un très très bon gardien. On l'a encore vu ce soir. Donc c'est simple pour nous, voilà, ils savent faire leur job, à nous, les attaquants, de terminer justement les actions. Et on le fait bien depuis 7 matchs, voilà, on arrive à faire des clean sheets, donc ce qui est bien pour la défense, et on arrive à marquer aussi, ce qui est bien pour les attaquants. Et puis ça tourne très bien, voilà, il n'y a pas que moi qui marque, il y a Mathieu qui marque, il y a Kike qui marque. C'est un bon collectif et voilà, on va bien se reposer pour aller vers l'avant à Orlando. For us, it feels really good for us forward to know that we are so solid behind with a great defense, a great goalkeeper. It really gives us a peace of mind, and we are just here to score, to do our job, and we know they're doing their job. So now knowing we're going to rest and we're going to have Orlando next, it's nice to have all these clean sheets. Denny, now on your third season playing with a teammate that celebrated 100 regular season appearances tonight, Jesus Murillo. What can you just say about being able to share the field with him and him as a defender?
sans apparition, partager le terrain avec Maurilio, comment c'était? Ça c'est pas trop. Il était à la douche, mais voilà, on était très content qu'il fasse sa 100e apparition aujourd'hui. Voilà, ça prouve que c'est un joueur régulier qui a toujours donné pour le club, et c'est ce qui est parfait d'avoir des gars comme ça. Voilà, ça fait avancer le club, et c'est parfait pour nous d'avoir un soldat comme ça. He's such a constant player, very regular. It's really great. We started to talk about it. He was just in the shower. But he's a fighter. He's an LA. He's here. He's solid. Hey, Dennis. As an attacker, in your opinion, how valuable are these type of wins against defensive teams like Dallas that make it extremely difficult for you and your teammates to create anything smooth? En tant qu'attaquant et qu'Européen, qu'est-ce que c'est que de jouer contre des équipes très regroupées en défense comme Dallas ce soir? Et il y a très peu d'opportunités, en fait. Je l'ai déjà eu auparavant, voilà, quand on jouait précédemment dans ma Ligue 1 en France. Voilà, tu as des équipes de bas de tableau qui jouent très très regroupées, donc c'est très difficile de trouver la solution. Mais voilà, comme je l'ai dit, voilà, on est des attaquants, toute la semaine on travaille pour... Et on essaye de trouver la solution par des appels, par des dribbles ou quoi que ce soit, parce que beaucoup d'équipes jouent très très bas. Et voilà, le fait d'être à la maison aussi, ça ouvre des portes, et on essaye d'empocher ces portes-là. Indeed, I saw that in France when I was playing in Ligue 1. A lot of the teams, especially the bottom half, are playing like that defense, really grouped. It's really hard. So it's just dribbling, accelerating, trying to find the moment. But today, I emphasized the fact that we really have the public with us, and it was a big help.